Aujourd'hui, Diabolo va découvrir les Mystery Critters, des deux nouveaux personnages enfouis dans la Playtime Company. Ces personnages sont sous forme d'œufs qu'il faudra faire éclore. Une fois les œufs éclos, il faudra les donner au prototype 1006 pour qu'il les fusionne et obtenir l'évolution des Mystery Critters. Un terrible nouveau personnage. C'est parti pour explorer la Playtime Company à la recherche des 4 œufs des 4 Mystery Critters. Une fois que nous aurons les 4 œufs, il faudra les faire éclore pour les donner au prototype 1006 qui les fusionnera pour obtenir l'évolution des Mystery Critters. Bon allez, c'est parti, let's go. Go explorer cette Playtime Company. Allez, arrêtez d'être tous en tour là. Je sais pas si vous faites livraison, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? What? Bon, déjà, en avant, de l'entrée de la Playtime Company, on peut déjà trouver des œufs. Pour trouver les œufs, nous avons deux zones à explorer: le Toy Store, l'endroit où sont vendus tous les jouets de la Playtime Company, mais aussi Security, là où il y a tous les écrans reliés à toutes les caméras de surveillance à l'intérieur de la Playtime Company. On commence par lequel? Security ou alors le Toy Store? Vous me dites. Je ne sais pas vraiment par lequel commencer. Vous voulez commencer par lequel? Moi, j'irai Security d'abord. Ok, let's go. Go à Security, on doit trouver les œufs. Oh waouh! Qu'est-ce qui vient d'être envoyé sur moi? Attendez, c'est quoi? C'est Sir Poopslot? Oh, c'est un jouet de la Playtime Company. En gros, c'est le monsieur qui fait caca tout le temps. Ouais, bon. Ok, non. Ok. Bah, c'est véritablement le nom du personnage. Hein. What? Bon, je ne connais pas vraiment ce jouet de la Playtime Company, mais du coup, go dans Security. Ok, si vous voyez des œufs, d'ailleurs, les abonnés, vous aussi, vous pouvez chercher les œufs avec nous. À tout moment, vous allez peut-être voir des œufs que moi, je n'ai pas vus. Et du coup, vous écrivez un petit commentaire avec le timecode correspondant où vous me dites: regarde, Diabolo, il y avait un œuf à cet endroit-là et tu ne l'as pas vu. Bon, allez, c'est parti. Est-ce que vous voyez des œufs? Ok, déjà, toutes les caméras de sécurité ont l'air d'être éteintes. On ne peut rien voir à l'intérieur de la Playtime Company. Ça, c'est plutôt inquiétant. Oh, Ok. Bon, il n'y a vraiment pas d'œufs. Est-ce que vous voyez des œufs? Petit croco. J'ai une cassette. Biomix. Ah, t'as une cassette? Oh, parfait. Attends, la cassette, il faut la rentrer, je crois, au début là-bas. Comme ça, eh bien, ça commence. Eh bien, le début de la Playtime Company. Oh, waouh! Attendez, mais la cassette, elle a explosé. T'as jeté la cassette, elle a explosé. Oh non! Ok, ça c'est terrifiant. Ok. Bon, bah, du coup, on peut pas commencer. Eh bien, le générique du début de la Playtime Company. On va devoir utiliser nos pieds de biche pour ouvrir les portes de la Playtime Company. Bon, allez, let's go. Du coup, maintenant, on va dans le Toy Store, on va voir s'il n'y a pas un œuf dans le Toy Store. Ok, non, il y a plein de jouets, mais j'ai pas l'impression de voir des œufs. Ok, on a Sir Poopslot. Ok, véritablement, c'est vraiment un jouet très bizarre. Ok, ensuite, on a d'autres jouets, d'accord. Oh, on a Mommy Longlegs, on a Pidgey Pug Pilar. Ok, on a vraiment tous les jouets de la Playtime Company. On a 4 billes. On a aussi, regardez ce four qui a l'air extrêmement dangereux pour les enfants. On voit qu'il y a déjà des mains d'enfants qui ont cramé à l'intérieur. C'est vraiment effrayant. Ok, et si du coup, on a. Oh, regardez, venez voir. On a du coup des mains de player pour pouvoir ouvrir les portes. Ok, est-ce que quelqu'un peut prendre les mains de player? Comme ça, on peut ouvrir facilement les portes. Ok, let's go. Et du coup, maintenant, go explorer la Playtime Company à la recherche des œufs des Mystery Critters. Ok, let's go. Bon, bah, du coup, let's go. Alors, du coup, ici, nous avons une première porte à ouvrir. Et il faut une main de player bleue pour l'ouvrir. Ok. Est-ce que quelqu'un a ça? T'as pris la rouge. Bon, bah, tant pis. Ok, c'est bon, je prends la bleue. Ok, il prend la bleue. Et toi, est-ce que tu peux faire une petite rampe kilowatt pour accéder tout simplement à l'endroit par lequel il faut. Ah bah c'est bon, regardez, allez, hop, c'est bon. Vas-y, appuyez. Ça marche pas? Mais non, mais parce que en fait on a pas mis la cassette et du coup je crois que ça fonctionne pas. Il va falloir soulever cette porte au pied de biche. Oh, si c'est bon, ça a fonctionné. Ça marche. Ok, let's go. Waouh. Ok, regardez ça. Effrayant. Il y a Huggy Wuggy. Ok, bon, ça va. Huggy Wuggy a l'air plutôt calme pour le moment. Il ne s'est pas réveillé, du coup ça va. Ok, bon bah du coup on a différents endroits à explorer dans cette pièce. Regardez notamment cette pièce dans laquelle il y a l'air d'avoir pas mal d'ordinateurs. On va l'explorer à la recherche d'œufs. Les Mystery Critters sont au nombre de 4. Ça veut dire qu'on a 4 œufs à trouver. Ok, t'as trouvé quelque chose? Attends, quoi? Regarde. Oh, c'est bon, on a trouvé notre premier œuf. Plus que 3. Et on pourra aller trouver le prototype 1006 pour lui donner les 4 œufs. D'ailleurs, ces œufs, il faudra qu'on les fasse éclore. Je me demande quel Mystery Critters il y a à l'intérieur. Il y a le bleu, le vert, le jaune et le rose. Je me demande lequel c'est à l'intérieur. Oh là 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 là. Bon, on les fera éclore un peu plus tard. Ok, bon, allez, let's go. On continue. Et là, Huggy Wuggy ne s'est toujours pas réveillé. Par contre, si vous le provoquez comme ça, il va se réveiller. Arrêtez. Stop. Non, mais vous êtes complètement fou. Arrêtez de le provoquer. C'est bon, stop. Il faut arrêter de le provoquer. Sinon, vraiment, il va se réveiller. Ça va être effrayant. D'ailleurs, je me saisis d'un pistolet parce que là, je me dis qu'il va bientôt se réveiller. Regardez-le attentivement. Oh, attention. Oh, attention. Il s'est réveillé. Ah, il s'est réveillé. Au secours, attention. Kilowatt, il va t'attaquer. Oh là 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 là.
Le shérif de Nashville, mais qu'est-ce qu'il fait là? Le shérif de Nashville, il est complètement KO. Ok, il va falloir sauver le shérif de Nashville. Ok, tirez-le dessus, il faut l'avoir. Oh là là là, oh waouh. Oh, il y a une giga explosion. Ok, allez, on lui tire dessus. Mais c'est pas possible, il est immortel. Oh, c'est bon, on l'a eu. Let's go. Ok, on va faire un petit peu le compte des blessés. C'est un bain de sang par ici. Le shérif de Nashville. Ok, il faut le réanimer, shérif de Nashville. Non. Ok, il va revenir à nous. Tac, tic, tac, tac. C'est bon. Ok, ça va, ça va, ça va, ça va. Oui, ça va, ça va. Ok, let's go. Bon, c'est bon. Ok, ok. Alors là, du coup, il nous faut une main bleue. Ok. Vous avez gardé une main de player bleue pour ouvrir ici? Parce que là, du coup, il va falloir vraiment ouvrir. Ok, bon, bah, va la chercher. Ok, let's go. Ils vont chercher une main de player bleue. Par contre, arrêtez. Arrêtez de balancer l'œuf. Il va exploser. Non, attention, l'œuf, il est là. Il est derrière le rideau métallique. Ok, ouvrez. Ok, vas-y, récupère-le. Et arrêtez de balancer l'œuf. Parce que sinon, il va se casser. Et du coup, on va perdre un Mystery Critters. Et on pourra pas obtenir l'évolution du Mystery Critters. Ouais, garde-le avec toi. Je préfère quand il est avec toi. C'est un peu plus safe. Ok, ok. Bon, bah, du coup, let's go. On attend que quelqu'un ramène une main de player bleu. Et on va ouvrir ce rideau métallique pour continuer à travers la Playtime Company. C'est bon, Biomix a trouvé la main du player. La main bleue. Du coup, let's go. C'est parti. Ouvre la porte. Je ne sais pas qui essaie de repeindre le sol. Mais c'est parti, let's go. On continue d'explorer la Playtime Company. Ok, ok. Ok, à la recherche du coup des trois derniers yeux des Mystery Critters. Let's go. Ok, alors qu'est-ce que nous avons ici? Ok, ok, ok. Oh, attention, Benzo Bunny. Alors ça c'est effrayant, d'accord. Il y a Benzo Bunny juste ici, d'accord. Oui, ça c'est très dangereux. Ok, ok, ok. Il va falloir le tirer dessus pour l'instant. Il n'a pas l'air de vouloir nous attaquer. Je vais me saisir d'une arme. Ok, regardez derrière Benzo Bunny. Il y a tout simplement le shérif de Nashville qui le tient en joue. Il le vise et du coup on a aussi du coup la Poisca qui est juste face à lui. Attention, la Poisca il va t'attaquer hein. C'est sûr et certain, il va t'attaquer. Attention. Oh, il t'a eu. Il t'a eu la Poisca. Vite, tirez dessus. Il a mangé tout cru. Attention, attention, allez, tirez dessus. Attention, il va arriver, il va arriver, il va arriver. Ok, vous l'avez eu? Vous l'avez eu? Il est où? Bien joué. Ah, vous l'avez eu. Ok, let's go. On est bien venu. Ok, parfait. Par contre, il va falloir réanimer la Poisca. Non, arrête. Mais arrête de tirer sur la Poisca. Elle est bien là où cette Poisca. Arrêtez, non mais non, non, la Poisca, tu m'entends? Tu m'entends? La Poiscaille! La Poiscaille! Bon, je vais lui faire du bouche à bouche. Vas-y, fais-lui du bouche à bouche parce que moi. Non, mais réplique pas. Faire du bouche à bouche à une bouche de poisson, ça me dégoûte. C'est vraiment dégoûtant. Bon, allez, fais-lui du bouche à bouche, ça me dégoûte. C'est foutu pour lui. Quoi? Non! Non! Non, c'est bon, regardez! Voilà, t'as réussi à le réanimer, ça va la Poiscaille? Ouais, j'étais en train de faire une sieste là. Ok, ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Bon, du coup, il faut qu'on ouvre le rideau métallique et on va continuer à travers la Playtime Company. D'ailleurs, attendez, vérifiez, est-ce qu'il y a pas un œuf pas loin d'ici? J'ai l'impression que non, il y a pas l'air d'avoir d'œuf. Ouais, il y a pas l'air d'avoir d'œuf. Il y a vraiment pas d'œuf. Ok, bon, on doit continuer à explorer la Playtime Company, sachant que dans la Playtime Company, attention. Oh oui, il y a besoin d'une main bleue et d'une main rouge. Mais oui, Biomix, t'as raison. Mais du coup, j'allais dire attention, parce que dans la Playtime Company, plus on va avancer, plus il y aura des ennemis dangereux. Par exemple, Mommy Long Legs, Catnap, etc. Va leur faire vraiment très attention. Bon, du coup, là, il faut une main bleue et une main rouge. Allez, let's go. Il faut aller chercher ça. Il est en train de le ramener. Ok, c'est bon. Bon, ouais, c'est parti. Okay, c'est bon. Ok, une main rouge et toi, t'as la main bleue. Normalement, Biomix sort là. Vas-y. Elle est où ta main bleue? Tu l'as? Oui, elle est là. Je l'ai collée. Ah, ok, ok. Ah, tu l'as collée. Parfait. Ok, du coup, faut mettre la deuxième. Ok. Ok, let's go. Allez, c'est bon. Ok, est-ce que ça va ouvrir? Ok. Oh, let's go. C'est bon. Bon, bah, c'est parti. On peut continuer dans la Playtime Company. Allez, bon, pour l'instant, en vrai, ça va. Nous ne sommes pas morts. Même si on a déjà deux qui ont subi quelques dégâts. Par exemple, le shérif Nashville et la Poiscaille. Allez, on continue. D'ailleurs, il y avait quoi là à gauche? Enfin, à droite, du coup, plutôt. Non, je non, connais non, pas ma droite non, et ma gauche. Ok, il y a rien. Ok, il y a rien. Ok, confiance à la Poiscaille. Ok, secret bizarre. Bon, on va continuer. Du coup, on va arriver, je ne sais où. Normalement, on arrive à l'usine. On arrive sur les chaînes de production des jouets de la Playtime Company. Oh, on va découvrir plein de jouets exclusifs de la Playtime Company. Ça va être exceptionnel. Let's go. Waouh. Regardez-moi ça. On est sur la chaîne de production des jouets de la Playtime Company. Incroyable. Oh waouh. Ok, trop stylé. Il y a tellement de jouets. Ok, ok, ok. On va un petit peu observer tout ça. Oh, c'est une dinguerie. Hein. C'est trop stylé. Ok, ok. Incroyable. Oh waouh. Attendez, je vais faire le saut. Il y a différentes couleurs. Hop là. Voilà. Ah ouais. Du coup, on a différentes couleurs. Là, on a les jouets de couleur bleue. Regardez, voilà. Il y a plusieurs PG Puggy Pillar. Il y a les emballages de PG Puggy Pillar qui sont vides. Et il y a des emballages de PG Puggy Pillar qui sont pleins. Ensuite on a des petits tonneaux et ensuite on a Barry. Ok, c'est une sorte de chariot. D'accord, ok, stylé, stylé. Ensuite ici on a des dinosaures. On a des Wack Ruggy. Ok, ici juste ici, regardez en rouge. On a des petits fours très stylés. Et on a des dinosaures Playtime Company. Ok, ici on a des trophées PG Puggy Pillar, des trophées Mommy Long Legs, de nouveau des fours et des trophées player. Ok, trop stylé. Ok, ok, incroyable. Bon, par contre là je pense qu'il y a vraiment un œuf. Il faut qu'on arrive à le trouver, cet œuf. Ok, c'est quand même assez vaste cette chaîne de production. C'est une grande usine. Tu penses derrière le rideau métallique? Oula, oh, derrière le rideau métallique, il peut y avoir un monstre. Ça
ça peut être vraiment effrayant. Mais cette porte, on va pas l'ouvrir tout de suite. Juste avant, je vais monter voir tout en haut si on voit l'œuf. Let's go, c'est parti. Ok, est-ce que vous voyez un œuf, les abonnés? Je ne vois rien du tout. J'essaie de voir un petit peu. Pas d'œuf, pas d'œuf, pas d'œuf, pas d'œuf, pas d'œuf. Est-ce que vous voyez un œuf, les autres là? Est-ce que quelqu'un d'entre vous voit un œuf? Y a pas l'air d'avoir d'œuf. Rien à signaler. Y a rien à signaler. Ouais, y a pas l'air d'avoir d'œuf. Je vais essayer d'ouvrir la porte. Vas-y, vas-y, attends, j'arrive. Attends, avant d'ouvrir la porte. Ok, j'arrive. Ok, vas-y, attends, j'arrive. Oula, pourquoi est-ce qu'ils sont tous là, les PJP Guppy là? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh waouh, mais ils sont pleins de sang. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est effrayant. Bon, bah, du coup, tu vas pouvoir ouvrir la porte. Ouais, j'ai des connaissances, ouais, mais toi, ok, let's go. Attention, oh, y'a Kissy Messi. Oh, attention, tirez sur Kissy Messi. Ok, tirez. Ok, ok, oh parfait. Oh attention, mais il y avait l'œuf, je crois. Oh, vous l'avez eu. Il y avait l'œuf. Rouvrez le rideau métallique, je crois qu'il y avait l'œuf. Ouais, il y a l'œuf. Oh, incroyable. Il est méchant. Oh, let's go. Oh, ouais, il est là. Mais oui, attends, mais Kissy Messi, elle était pas méchante. Ouais. Elle nous attaquait pas. Elle garde l'œuf. Aussi, elle m'avait l'œuf très menaçante. Oh non, elle attaque pas, il a raison, Pingu. Kissy Messi. On l'a tué pour rien là. Ouais, c'est. Moi, on l'a bien mérité. Bon, c'est un passage. Ok, ok, c'est un peu triste, du coup on l'a tué pour rien clairement. Bon bah tant pis, on va continuer les abonnés. Oula, on ira pas au paradis, c'est tout hein. Okay. Allez, let's go, on va ouvrir ce rideau métallique. Il y a juste un bouton, ok c'est bon. Let's go, attention ouais. Faut surtout pas casser les... Attention, attention avec les yeux hein. Je me demande vraiment quel mystery creature s'il y a à l'intérieur. Soit c'est le bleu, soit c'est le vert, soit c'est le jaune, soit c'est le rose. On le découvrira bah quand on les fera éclore. Voilà, je sais que bah tout simplement c'est le chez Nashville qui a tout simplement les incubateurs. Par contre ici c'est un véritable labyrinthe. Je sais que pour atteindre la salle dans laquelle se trouve Poppy, il va falloir réaliser cet énorme labyrinthe. Je sais qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui savent comment se rendre rapidement à Poppy. Peut-être la Poiscaille. La Poiscaille, tu sais comment y aller ou pas? Ouais, j'ai un bon sens de l'orientation. Ok, let's go, c'est parti, okay, on suit la Poiscaille. Ok, un bon sens de l'orientation. Wow. Le bon sens de l'orientation en question. C'est pas là. Bon, du coup, la Playtime Company est encore assez vaste à explorer, mais on a déjà 2 œufs sur 4. Et après, il suffira de trouver le prototype 1006 pour lui donner les œufs et qu'il nous produise, eh bien, l'évolution. Oula, attention. Attention avec les œufs. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la Poiscaille? Mais attends, mais... Le shérif, c'est le shérif. Je l'ai vu, c'est le shérif. Réanimez-le. Le shérif. Ah, il est foutu, là. Le shérif. On a fait le chemin avec le shérif. Attends, mais le shérif, je l'ai vu, c'est lui qui a tué la Poiscaille. Non, non, perdu. C'est pas moi. Je suis perdu. Je sais pas où est-ce que je suis. Pour réanimer la Poiscaille. Oh, là, il y a un rideau métallique. Ok, je peux l'ouvrir. Oh, vous êtes là? Ok, let's go. Ok, je suis avec vous. Par contre, j'ai l'impression que tous les autres sont perdus. Bon, bah. Ouais, trop bon le chemin. Let's go. Moi, j'ai réanimé la Poiscaille. Shérif Nashville, t'as tué la Poiscaille. Ah non, c'est pas moi. Les abonnés, revenez en arrière dans cette vidéo. Je suis presque persuadé que le shérif de Nashville a tué la Poiscaille. Je me demande vraiment ce qui s'est passé. Mais... si je mange, je vais en enfer. J'ouvre une enquête et c'est les abonnés qui vont juger. Vous revenez en arrière dans la vidéo lorsque j'étais dans le couloir. Vous revenez en arrière dans la vidéo lorsque j'étais dans le couloir, voilà. Et vous me dites si vous avez bien vu le shérif de Nashville tuer la Poiscaille. Je crois que oui, hein. Oui. Ils diront les abonnés. Oh! Ok, c'est un véritable toboggan. Oh waouh! Ok, on arrive à l'endroit pas loin de la pièce de Poppy. Ok, intéressant. On doit trouver Poppy et ensuite on pourra accéder à la suite de la Playtime Company pour trouver les œufs restants. Ok, oh, à moins qu'il y ait un œuf en vrai dans l'endroit où se trouve Poppy en vrai. Ça pourrait être stylé, hein. Ok, let's go, je descends ici. Oh, ok, il faut pas que je tombe dans le vide parce que sinon tout en bas il pourrait y avoir Jumbo Josh. Bah non, on est dans la Playtime Company, pas Jumbo Josh, mais du coup, peut-être Mommy Long Legs, je sais pas. Ça peut être vraiment effrayant. Diabolo! Oui, qu'est-ce qu'il y a, la Poiscaille? Avec le scientifique, on s'est perdu! Ah, non, j'arrive, t'inquiète, c'est juste bon, que j'ai dû le réanimer! Ok. D'ailleurs, les abonnés, on va faire un petit jeu. Si vous avez envie que je descende dans cette zone extrêmement sombre pour voir ce qui s'y cache, possiblement des tout nouveaux personnages de Poppy Playtime, eh bien, vous mettez un pouce bleu dans les 3 prochaines secondes. 3, 2, 1, allez, un maximum de pouces bleus. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de pouces bleus. Ok, il y a pas mal de pouces bleus. Ça veut dire que dans le prochain épisode, eh bien, on descendra dans cette zone très très sombre à la recherche de tout nouveaux personnages de Poppy Playtime. Et si tu ne veux pas louper cet épisode, abonne-toi et active la cloche. Allez, c'est parti, let's go voir Poppy. Non, je suis là. Ok, oh waouh, mais attends, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a des bras qui volent là? What? C'est des bras de nuggets. Qu'est-ce que c'est que ce délire? What? C'est quoi ce délire? Moi j'ai des bras, mais j'ai des bras qui sont accrochés à moi, mais c'est attends, quoi mais ça? Mais c'est quoi ce délire? Aide! C'est mes bras, mais qu'est-ce qu'il faut ici? C'est quoi ce délire? Bon, on va aller ouvrir la pièce de Poppy. C'est bon, la porte est juste ici, on va l'ouvrir. Allez, c'est bon, let's go, voici Poppy! Oh,
pourquoi est-ce que la vitre, elle est tombée? Attention, mais Poppy va sortir. Ok, Poppy va sortir. Ok, c'est un peu effrayant. Il y a vraiment Poppy qui va mais sortir. Tire-lui dessus. Ok, elle me regarde, dessus. Elle me regarde. Elle m'a jeté pas un bien, un je m'en occupe. Ok, non, wow. Non. Mais Poppy aussi est gentille. Mais vous faites n'importe quoi. Le shérif vous a sauvé, le shérif vous a sauvé. Oui, je vous ai tous sauvés, remerciez-moi. Mais vous faites n'importe quoi. Non mais là, les monstres de la Playtime Company vont tellement nous en vouloir, on est mort. Ils vont être furieux. On est mort. Bon, curieux. Du coup, au bout là, normalement, eh bien, il y a l'armoire qui a dû se décaler pour laisser place à une porte pour continuer au travers la Playtime Company. Et regardez, bingo, c'est bon, il y a une porte que l'on peut ouvrir pour continuer à travers la Playtime Company pour trouver les deux œufs restants des Mystery Critters. Allez, c'est parti, let's go. Ouvrez-moi cette porte. Ok, attention. Ah ouais. Il n'y a pas de monstre de Poppy Playtime, ok, oh là là. Tout le monde s'engouffre. Y a personne. C'est parti. Est-ce que vous voyez des œufs? Parce que là, tout le monde, il y a Mommy Longlegs qui nous tombe dessus et ça peut être vraiment effrayant. Bon, du coup, là, on connaît la porte du centre, on peut pas l'ouvrir. Il faut qu'on aille à droite et là, à gauche, en gros, c'est là où on doit continuer. Sauf qu'il y a un rideau métallique et il faut qu'on active l'électricité à l'intérieur du bureau qui est juste ici. Voilà, et du coup, pour ouvrir le bureau qui est juste ici, il faut qu'on passe de l'autre côté. Allez, c'est parti. Mets une petite rampe, le shérif, parce que sinon, je crois que je peux pas passer. Ah, moi, si, mais si, vous... si, ah, wesh, vous arrivez? Mais attends, mais what? Ouais, faut être un pro. Ok, let's go. Il y a la poisson qui elle essaie de nous empêcher de rentrer. Ok, c'est bon. Là, on appuie sur le bouton. Parfait. On appuie sur le bouton. Ça va ouvrir le bureau central. Let's go. Le bureau central a dû être ouvert. Voilà, c'est bon. Allez, ouvrez-moi ça. C'est bon. Let's go. Là, du coup, on a le rideau métallique à ouvrir. Attendez. Est-ce que dans le bureau, voilà, il n'y a pas des œufs? Ah, voilà. Pingu, lui, il cherche les œufs au moins. Pendant que tous les autres sont en train de speedrun. Voilà, lui, c'est son instinct maternel. Quoi? Mais oui, j'avoue. Mais oui, j'avoue. En fait, il pond des œufs, Pingu. Enfin, pas lui, parce que c'est un homme. Mais Coco aussi, hein. Mais si, ils pondent des œufs. Non, moi je les mange. Quoi? En fait, même le requin et le poisson aussi. Et toi, du coup, toi, t'es directement aussi issu d'un œuf en fait, le chef. Ouais, c'est un poulet lui. Mais parce qu'en fait, oui, c'est vrai. T'es un poulet, donc du coup, bah en fait, au début, t'es né dans un œuf. Hein, après, t'as été un légèrement pris. Non, je suis pas un poulet. Ok, du coup, là, il faut activer l'électricité. Là, du coup, il y a un et un. Et en gros, faut les relier avec un câble électrique pour réactiver le courant et ouvrir le rideau métallique. Oh, qu'est-ce que c'est en train de casser là? Faut pas tout casser ici, hein, quand même. Ok, c'est parti. Let's go. Ok, let's go. Attention, non mais laissez faire Bubix. Le scientifique, il faut le laisser faire. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait pas ouvrir cette porte là? J'aimerais bien l'ouvrir, mais je pense pas qu'on puisse l'ouvrir. Peut-être qu'il y a quelque chose de scientifique, elle a pas bien mal. Tu veux que j'essaye de l'ouvrir, Diabolo? Vas-y, essaye de l'ouvrir. Vas-y. Oh, waouh. Attention. Non, tu as tué. Oh, je sais pas comment est-ce qu'il a survécu, c'est un exploit. Ok, les câbles électriques sont en train d'être mis. Ok. Alors là, du coup, est-ce que quelqu'un peut déjà mettre une petite rampe, genre les chaînes de ville, pour ressortir? Parce que sinon, ça va être galère de ressortir. Tu vois, par j'ai là. Mis les câbles. Ok, les câbles sont en train d'être mis. L'électricité va être réaccordée. Et là, du coup, il va y avoir une petite rampe pour remonter là-haut. Ok, une toute petite rampe. Alors faut relier du 1 au 1, genre ici à ici, voilà, de là à là. Let's go. Okay. Ah c'est bon, let's go. Ok. Quoi, c'est quoi cette petite rampe? Parfait, j'ai créé une toute petite rampe. T'as réussi, c'est bon, c'est relié. Mini. Ouais, c'est relié, c'est bon. Oula. Ok, let's go. Allez. Bizarre ta rampe. J'ai réussi personnellement. C'est à moi. Allez, à moi, hop. On est trop nuls. Mais c'est impossible. Allez, Pingu, tu peux. Mais Pingu, qu'est-ce qui se passe? Ok, à moi. Mais je suis trop. Non, mais il y a un truc. Ok, mais... à moi. Non, je suis trop nul en fait. Non. Ok, let's go. C'est parti. Allez, c'est parti. C'était un peu gênant ici, Allez, on oublie cette histoire. Allez, on continue. Allez, à droite, let's go. Ok, c'est bon, le rideau métallique est ouvert. Par contre, attention de ne pas tomber. Il y en a un qui a failli mettre la poiscaille tout au fond là. Attention. Oh, quel dommage, on va devoir continuer sans lui. Il y a Poppy en face. Ça va, tout en bas? Comment ça se passe en bas? On est bien. Attends, oh, le scientifique aussi. Ah, mais en fait, on est juste tout en bas, en gros. Attendez, est-ce qu'on pourrait pas remonter avec une rampe ou je sais pas? On peut. Ok, va falloir mettre une immense rampe. On est tous tombés sauf le gros cachalot. Ok, bon, bah, let's go. On va faire une rampe pour passer de l'autre côté. On est tous tombés à l'intérieur du trou. Voilà, c'est un peu gênant. Attention, pourquoi est-ce qu'il y a tout ça qui tombe? Il veut nous empêcher de remonter. Allez, let's go. Allez, on monte. Attention. Il y a quelqu'un qui essaie de nous tuer là. Le T-Rex Rose. Comment on va faire pour monter tout en haut, Pingu? On va faire des rampes, hein. Allez, ok. Une chaîne humaine, allez. Oh, une chaîne humaine, oui, vas-y, je monte sur toi. Attends.
t'es sur mon crâne. Allez, allez, allez. Je vais te monter, petit crocodile. Waouh. Ok, ok. Allez, vas-y, montez-moi. Oh, wow, je suis en train de tomber. Mais comment faire pour monter tout en haut? C'est impossible. Allez, let's go. Ok. Oh, waouh. Ok, j'y arrive pas. Il faut que je prenne de l'élan. Allez. Oh, oui, let's go. C'est bon, j'ai réussi à remonter. Incroyable. Oh, regardez ce qu'il y a là. Poppy, un œuf. Mais Poppy était pas censée être morte. Normalement, le shérif, tu l'avais tué. Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Oh, attention. Elle a disparu à l'intérieur du trou. Oh non. Vas-y. Mais pourquoi vous lui tirez dessus? Vous êtes complètement fou. Bon bah du coup on a un troisième œuf. Hey, let's go. Non. Oh, non. Ok, je saute. Oh, oh. L'œuf, faut le sauver. Ok, je vais sauver l'œuf. Attention. Ok. Ah. Non mais stop. Non mais vous êtes complètement fou. Ok, c'est bon, on a sauvé l'œuf. Ok. Du coup on a un troisième mystery creatures. Plus que un à trouver. Un seul. Ok, let's go. Du coup là il faut réactiver l'électricité pour ouvrir eh bien cette porte là. Donc bah c'est parti. Il faut relier le 1 au 1. Mais je sais pas où est-ce qu'il est l'autre 1. Attendez, l'autre 1 je crois. Attendez, il est où? Je sais plus où est-ce qu'il est. Ah non, faut juste relier je crois ici. Voilà, c'est bon. Juste ici normalement ça va fonctionner. Ok. C'est bon. Ça devrait ouvrir la porte. Ok, let's go. Allez, ouverture. Je ne comprends pas, le rideau de fer ne s'ouvre pas. Allez, ouvre-toi! Non, mais c'est pas possible! Pourquoi il ne s'ouvre pas? Oh, c'est bon, il s'ouvre! Ah! Il a vomi l'anglaise! Attention, il est dessus! C'est sexe, bousin! Tire dessus! Réouvrez! Ok, elle est morte? Je sais pas, on va voir. Réouvrez la porte! Allez, ouvrez-moi cette porte! Elle s'ouvre pas! Attendez, elle est un peu capricieuse, la porte. Allez, ouvrez-la! Non, mais c'est pas possible! Attention, oh, j'ai cru voir quelque chose de l'autre côté. Oh, elle est toujours là, mon l'anglaise! Elle est toujours là, attention! Allez, tirez dessus! Vous l'avez vu! Attention, un œuf! L'œuf! Du Mystery Critters! Oh là là, incroyable! Ok, du coup, derrière cette porte, doit se trouver le nouveau prototype 1006 à qui on va donner les 4 œufs. Mais avant, il va falloir les incuber pour les faire éclore. Du coup, est-ce que le chef Nashville, tu peux sortir ton incubateur? On va mettre du coup les 4 œufs à l'intérieur pour les faire éclore. Oui. C'est bon, les 4 œufs sont là, mais aussi les 4 incubateurs. Ça a mis un petit peu de temps avant d'être installé. Du coup, c'est parti, go mettre les 4 œufs à l'intérieur des 4 incubateurs. Comme ça, on va les faire éclore et vous allez découvrir les Mystery Critters. Ces 4 Mystery Critters, on va les ramener au prototype 1006 qui va les fusionner. Let's go, c'est parti. Allez, on met les 4 œufs à l'intérieur des 4 incubateurs. Let's go. C'est bon, tous les œufs sont à l'intérieur des incubateurs et maintenant ils vont éclore. C'est bon, ils ont éclos. Et je vais découvrir en même temps que vous les Mystery Critters. Ok, j'ouvre les yeux. Let's go. Waouh, ok, trop stylé. On a le Mystery Critters jaune, le vert, le rose et enfin le bleu. Du coup, le jaune, il a des petites ailes vertes, le vert des petits pics sur la tête, le rose des antennes et le bleu, il a une langue super longue. Bon bah du coup, maintenant il faut ouvrir cette porte. Let's go, c'est bon, j'ai ouvert. Et regardez, il y a le prototype 1006. On va lui donner du coup les 4 Mystery Critters. Il va les fusionner pour faire l'évolution des Mystery Critters. Allez, c'est parti, let's go. On les emmène dans la salle du prototype 1006. Allez, c'est bon. Let's go, on va lui donner. Voilà, et comme ça, il va les fusionner. Ça va être exceptionnel. Oh la dinguerie. Ok, c'est bon. Ils sont tous dans la salle. Et maintenant, on va lui donner. Ok, c'est bon. On va lui donner. Il va les fusionner. Ça va être une véritable dinguerie. Allez, on lui donne. Allez, c'est parti, on lui donne tout. Allez. Hop, voilà, c'est bon. Hop, voilà. Les 3 et le 4ème, du coup, c'est bon. On lui donne tout. Et voilà, c'est bon. Maintenant, il va les fusionner. Allez, le prototype 1006, fait les fusionner. Oh, let's go, c'est bon. Regardez, il y a de la fumée. Ils vont fusionner. Oh, la dinguerie. Regardez, ils sont en train de fusionner. J'ai hâte de les découvrir. Ok, là, il y a beaucoup de fumée. Je suppose que du coup, ils ont dû fusionner. Oh, il y a vraiment trop de fumée. Ok, on devrait pas tarder à le voir. Oh là là, ça va être exceptionnel. L'évolution du Mystery Critters. Oh là 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 là. Oh, regardez-moi ça. Oh, c'est une fusion entre les 4. Oh, waouh. Il a la langue du bleu, les ailes du jaune. Il faut tirer dessus. Les antennes du rose et les pics du vert. Oh la dinguerie, il a l'air tellement puissant. Ok, il faut qu'on trouve quelqu'un pour l'affronter, pour voir comment est-ce qu'il se bat et pour saisir l'ennemi. Parfait. Non, le non, chéri, pas toi, tu seras chéri. Pas du tout assez puissant. Oh, si, non, je me propose. Non. Bon, du coup, attendez, on va laisser partir le prototype. Ok, c'est bon, le prototype est parti. Il ne reste plus que l'évolution des Mystery Critters. Et du coup, cette évolution, on va la faire affronter. Et bien simplement, l'évolution du Spelling Critters oublié, dinosaure. La voici. Oh là, elle est terrifiante. Je suis sorti de la Playtime Company parce que j'avais peur de la détruire en faisant ce combat. L'évolution de Spelling Critters oublié, dinosaure VS l'évolution des Mystery Critters. 3, 2, 1, fight. C'est parti. Ok, ça a commencé. Oh waouh, une pluie de météorites. Oh waouh, c'est quoi cette attaque de zinzin? Oh, what,
c'est quoi ce délire? Il a éteint l'évolution du Spellcreature Soublier Dinosaure. Ok, c'est reparti. Il lui faut un adversaire plus costaud. Voici le démon Dog Day VS l'évolution des Mystery Creatures. 3, 2, 1, go. C'est parti, attention. Ok, oh wow. Le démon Dog Day a envoyé une attaque spéciale. Ok, 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 ok. Du coup, je ne le voyais plus. Et là, c'est bon, ça se fight vraiment sévère. Oh, attention, attention. Le démon Dog Day qui est en train de mettre cher au Big Mystery, l'évolution des Mystery Creatures. Ok, ok. Attention, la pluie de météorites qui va l'emporter. Quoi? Quoi? Big Mystery l'a emporté. Alors là, par contre, je suis choqué. 248 000 points de vie sur 600 000. Peut-il battre le nouveau prototype 1006? C'est ce que nous allons voir. Nouveau prototype 1006 VS l'évolution des Mystery Creatures. 3, 2, 1. Fight! C'est parti, attention. Ok, l'attaque spéciale du prototype 1006. Oh là 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 là, dinguerie. Qui va l'emporter? Je pense quand même le prototype 1006. Si vraiment le prototype 1006 perd contre Big Mystery, et ben ça voudra dire que Big Mystery est vraiment trop puissant et c'est une véritable dinguerie. On va voir ça. Allez, allez, allez. En tout cas, il est bien résistant. Il arrive à bien résister face au nouveau prototype 1006. Attention, attention, qu'est-ce qui se passe? Allez, il faudrait une nouvelle attaque spéciale. Oh, attention, une nouvelle attaque spéciale. Oh, quoi? Quoi? Il a battu le nouveau prototype 1006. Oh la dinguerie, je suis complètement choc-barre. Oh, ok, un maximum de pouces bleus pour lui. Si vous voulez encore le voir se combattre, un maximum de pouces bleus. Il y a deux vidéos qui s'affichent, choisis celle que tu préfères.